Un sentier maintes fois emprunté sur un massif visité et revisité à souhait. Jean Perrin, Alain Barrère et Patrice Huette comptent parmi ces passionnés du Piton de la Fournaise qui découvrent ou redécouvrent des lieux emblématiques comme la caverne des Lataniers, une grotte naturelle, aujourd'hui masquée par la végétation et pourtant facile d'accès. Il suffit de prendre le sentier qui passe par la stèle José-Mont-Lorette, qui va jusqu'à l'oratoire Sainte-Thérèse. Et à un moment donné, le sentier pédestre part sur la droite. On reconnaît assez facilement ce relief. Et surtout, il y a un ancien tumulus ici qui date du début du XXe. Alors on a juste la base, avant il était beaucoup plus haut, mais ça peut servir de point de repère. Un point de repère avec des inscriptions encore visibles ou perceptibles sur certaines pierres. Là, je suis sûr, j'avais vu 50. Hein. Ouais. Et un 3 devant. Ouais, on voit bien contre, le 3 les ici. Lettres, c'est difficile à voir. C'est difficile à voir, mais effectivement. Ici, je pensais à M. Un peu plus loin, le point d'orgue de l'expédition. Voilà. Sous un manteau de basalte d'un mètre d'épaisseur, la grotte formée lors d'une éruption il y a plus de 2000 ans. La caverne des Lataniers, elle est spéciale en ce qu'elle a été fréquentée de longue date par les voyageurs qui faisaient le voyage au volcan, donc qui montaient voir le volcan. Et on s'y arrêtait pour une simple pause ou pour la nuit ou parfois plusieurs nuits si les météos étaient mauvaises. Et on a la trace de voyage avant 1800, probablement bien avant encore. Mais tout n'est pas écrit. Loin de là. Encore que les fouilles archéologiques ont permis de retrouver les traces physiques des passages évoqués dans la littérature et sur les photos d'époque. À l'occasion des journées européennes de l'archéologie, une conférence est organisée qui, au cours de laquelle il y aura une restitution de ce travail de fouilles archéologiques sur ce site pour présenter au public quelles ont été les trouvailles. Un travail complété à l'horizon 2024-2025 par une grande exposition à la Cité du Volcan, histoire de témoigner de l'occupation par les Réunionnais de la caverne des Lataniers.